Nous organisons ce week-end de portes ouvertes dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. C'est l'occasion pour nous de permettre à nos concitoyens, notamment non musulmans, de venir à notre rencontre et d'approcher de plus près la réalité et le quotidien de la communauté musulmane d'un lieu de culte comme le nôtre. C'est aussi l'occasion d'échanges féconds sur l'islam de manière générale, sur la communauté, sur le vivre ensemble. Quelque chose qui nous motive, échanger sur le travail qui est mené par la mosquée, à la fois dans le cadre communautaire mais aussi en partenariat avec d'autres structures au-delà de la sphère communautaire. Donc nous avons accueilli plusieurs groupes sur 2 jours qui se sont intéressés, qui ont répondu à notre invitation, à la fois une visite des lieux mais aussi une revue de nos actions, que ce soit sur le plan religieux, mais aussi sur le plan éducatif, sur le plan de la solidarité, des actions qui nous tiennent énormément à cœur à la mosquée Bande Sud. Moi, je suis très content d'être venu visiter la salle de prière, parce que beaucoup de gens imaginent plein de choses autour de cette nouvelle salle de prière, et je trouve très bien que la communauté musulmane ait un lieu de prière adapté à la mesure de ses besoins par rapport au nombre de croyants qu'il y a aujourd'hui à Mantes-la-Ville. Eh bien, je me suis inscrite sur Internet pour visiter la mosquée de Mantes-la-Ville et je dois dire que j'ai été très très intéressée ainsi que mes amis. Et nous portons maintenant un regard complètement différent sur l'islam. Nous avons d'autres moments où nous disposons des cours, des échanges, à savoir que dans notre mosquée à Mantes-la-Ville, c'est-à-dire les gens peuvent venir nous voir, ils prennent des rendez-vous. Je me sens plutôt satisfait et ravi du déroulement de ces 2 journées de portes ouvertes. Nous avons accueilli un certain nombre de personnes et de groupes qui sont partis avec le sourire, mais aussi avec leurs propres témoignages. Ces portes ouvertes leur ont permis un autre éclairage au-delà de l'actualité chaude et au-delà d'un certain nombre parfois d'interrogations qui sont restées sans réponse, voire de préjugés. Et donc pour nous, le rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour une nouvelle édition des portes ouvertes.